Boum, boum, boum. Viens à la gauche. On se retrouve sur la petite vidéo du jour. Donc là on est samedi, il fait magnifique. Il y a un punaise, pour pas dire ciel bleu. Donc on va prendre des haches. On va également prendre la bite. Parce que Grégoire a un petit problème d'amorto, de busulure et tout. Donc il va rouler avec le petit 29. Et on est parti. La mission. Récupération de sandwich et de Baptiste Donou. Et let's go. Rétroviseur carbone, sauf comment. Protection de jante carbone alias titane, sauf comment. Catégorie Formule 1, sauf comment. Logo flash, vitesse de la lumière, sauf comment. Casque aux couleurs de la France, patriote, sauf comment. Cache lanceur de missiles, sauf comment. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Oh! Oh! Je déconne. Oh là là, ce beau temps. Donc ça démarre de là. Ça démarre de là-haut, plus haut, mais pas trop d'intérêt quand même. Ouais, c'est d'accord. Pardon ? On va poser les affaires. Alors on les pose en bas ? Ouais. Ok. Ça c'est du jump to flat, c'est arc. C'est ça. Là c'est arc to flat. Arc to flat maintenant. Oh. Là il y a un petit trou. Oula. Ah, embouteillage. Ouais, ramenez vos déchets de sa mère là. Putain! Bon, on est sur Meudon et on vient découvrir de nouvelles lignes. Blip, 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 blip! Tu vas voir le reste. Ça, c'est quoi ça? C'est Reset Manual? Je vais même pas faire ça en plus. T'as dit quoi? Reset Manual là! Tu sais, t'arrives, tu la chouilles et. C'est très stylé ça. Après, il y a un petit verre dans le. Le gars, il a creusé sa tranchée de 14-18 là. Il y a un nouveau truc là qui va se faire. Ouais. Oh, je suis épuisé. Boum. Ça, ça fait gros la GoPro quand même avec la mousse. Hein. Tu la vois trop? Bah, le son va être nickel après, mec. Ouais, ouais. Allez, on va s'enjamber. T'as combien déjà là-dessus? 130 à l'avant, 130 à l'arrière. Avec une Canyon Nord, j'avais l'impression d'être beaucoup plus limité. Là, ça va, le débattement, je crois que ce soir. Enfin, tu vois, à l'arrière, j'ai pas talonné. Bon, ça fait un gros jump non plus, mais. Ouais, après t'es en mode bien ouvert. Hein. Ouais. Si tu mets en mode un peu, enfin moyennement fermé, ouais, moyennement fermé, ce sera un peu, ce sera un peu plus cool. Après tu essayes, tu testes, tu roules quoi. Ah, il va à droite lui. Alors, petite anecdote sur mes ailettes. Je vois des chasseurs venir. Ouais, les ailettes, ça sert à rien, patati patata. Et bien, lorsque j'étais à Albar, justement, j'ai posé. Couille ! J'ai posé la question à tous les mécanos, enfin, les mécanos certifiés, canons d'air, enfin, tout ça. Ils m'ont dit clairement que les ailettes, ça réduisait entre 20 et 40% la chaleur de votre amorto à air. À air, j'ai bien dit à air. Donc moi clairement les ailettes sont été présentes quand j'avais le DHX2. Je les ai pas enlevées mais normalement, enfin c'est pas normalement, c'est le cas, les ailettes ne font strictement rien sur les ressorts. Ça réduit pas la chaleur ou autre. Donc ça sert à rien de me dire en commentaire, ouais les ailettes ça sert à quoi ou ça sert à rien. T'as un bouffon ou autre. Je m'en bats les couilles. Ça fait un petit style en plus, mais en fait, le plus gros c'est que c'est surtout j'ai la flemme de les enlever, donc voilà. Et puis bah comme ça va que sur les DHX, bah. Je peux pas le mettre sur autre part quoi. Je me demande si sur le all-in ça pourrait passer. Ah non, il y en a un plus gros et l'autre plus petit. Bon, alors que là c'est symétrique. Bref.
Il y a Pierre qui va rouler. Oh yeah! Yes, ça passe tranquille. Tu filmes? Et tu le ravales. Hein? Tu filmes? Ouais. T'as vu avec la mousse, c'est top secret. Je sais pas quand je filme, je sais quand je filme. C'est incroyable. Et le son, il est bijou. Quand tu passes dans les feuilles là. Oh là 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 là. Oui, ça va. Ok, ok. Feu! Le virage à plat dans les feuilles mouillées. Bon, on fait quoi? Ligne de gauche. Allez, ligne de droite. Ah non mais où? Quoi tu t'as? Ich. Bonjour. Là, je suis obligé de faire ça. Et il faut chauffer Grégoire, donc mettez des commentaires en vidéo, ça c'est le fameux truc, voilà, mettez des commentaires, des likes et tout ce que tu veux. Tiens, les gars, on est chaud avant de manger, on se fait cette ligne-là, la nouvelle. Il est mon sandwich. Il est là. Je viens de l'avoir, du coup. Bon app, hein. On est arrivé. Non, je connais pas cette ligne. Oh, il y a 200 euros, cool. On va aller essayer ça. Nous on est avec le groupe de youtubeurs. On y go? Tout le monde est ready? Ah, moi je suis prêt, ouais. Vas-y. Je suis prêt. Ok, bah go. Ah non, je l'ai raillé. Ah non, non, non. Si, je... Attends, what? Ah non, j'étais en petite vitesse. Allez, là, c'est le virage à droite. Boum. 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 Virage à gauche. Oh. Bah, c'est sympa. C'est une petite taille, mais franchement, qu'est-ce que je kiffe. C'est cool, ça s'enroule, c'est fluide. Eh, ton bagage, je le tords dans tous les sens. Puis ça fait beaucoup de luminosité là. Ouais, go. Ah, c'est sympa, hein. C'est super sympa. J'ai appréhendé un peu avec la petite piste d'élan ghetto et tout. Une fois que tu la roules, la ligne, tu m'attends. Allez, go. Je suis pas. Tu suis pas trop près, hein. Non, non, c'est. Bon, on va pas voir grand chose, mais là, ça y est, je suis arrivé. Voilà, Kassa. Et puis, bah écoute, pure session de foulée avec les boys. Là, c'était vraiment cool. Bon, j'espère que ce petit vlog, un petit peu comme ça, ride avec les potes, en mode chill, ça vous aura plu. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit like, à partager, à t'abonner, tout ça, tout ce que tu veux. Donc, à la prochaine.